Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Anime Games, votre émission dédiée aux jeux vidéo tirés de l'univers de la Japanime. Alors la dernière fois on s'est quitté sur une piètre performance de ma part sur le jeu Wataru. Je vais essayer de faire un tout petit peu mieux aujourd'hui hein, quand même, histoire que vous ne riez pas trop devant vos écrans. Alors on va découvrir le jeu que nous allons faire aujourd'hui. Ouh bien. Si je ne me trompe pas, c'est Jojo Bizarre Adventure sur PS3 et il vient de sortir il y a peu, donc nous allons le découvrir ensemble. Allez, on joue! Nous voici donc sur PlayStation 3 pour le jeu Jojo Bizarre Adventure qui vient de sortir il y a très très peu, j'ai appris ça. J'avais maté une paire de vidéos parce que le style graphique m'a interpellé. On va tester ça ensemble, accompagné ainsi de Loud. Loud, salut. Comment ça va, Gugré? Eh ben écoute, plutôt bien, merci, et toi? Bien. T'as vu là, je t'ai fait une belle petite surprise quand même. Hein. Ouais, plutôt, c'est pas mal. Tu vas me faire découvrir cet univers que je ne connais pas. Ouais, alors on va jouer à Jojo Bizarre Adventure, mais au Japon ça s'appelle Jojo no Kimio na Boken, tu vois, pour frimer un petit peu. Mmh, et le nom du jeu c'est All Star Battle, parce qu'en fait on va retrouver énormément de personnages de toute la série Jojo. Ok. Bon, ben, donc là on est devant l'intro, ben, qui a de la gueule, hein. Tu m'étonnes. Style graphique, vraiment. Alors, je suis déjà tombé très rapidement sur les pages du manga, donc visuellement c'est exactement ça. Tout à fait. Alors là, on pourrait dire aussi que ce jeu, en fait, c'est inspiré de la dernière série de Jojo, qui est sortie en 2012, une série d'animation de 26 épisodes, mmh, qui a été faite par le studio David Production. Et elle est vachement intéressante au niveau du graphisme. Ouais, ça en jette, hein. Voilà, il y a un mélange avec de la BD, de la 3D, de la trame, des onomatopées. Ouais, exact. Ça a de la gueule. Mmh. Bon, sympa. Alors c'est de qui ce petit jeu? Alors c'est Cyber Connect 2, tu sais, les fameux qui ont produit énormément de jeux tirés d'animés. Mmh. Je pense notamment aux Ultimate Ninja Storm, mm-hmm, y a quoi d'autre, y a les Dragon Ball Z, y a les Saint Seiya. Oui, donc, oui, c'est oui, de... D'accord. Alors, tu vas voir le gros souci qu'il y a, c'est concernant le PlayStation Network. Ah. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc là je te propose de faire précédent, étant donné qu'on n'a pas de connexion, mm-hmm, pour jouer à ce jeu. Mais on va souvent t'interpeller, est-ce que tu veux te connecter, est-ce que tu veux acheter un DLC, etc. D'accord, non. Alors, au niveau de l'interface, je trouve qu'il y a beaucoup de textes et il va falloir souvent cliquer sur OK. Chacune des parties va être présentée et représentée à chaque fois que tu vas jouer. Donc c'est un petit peu dommage. C'est bien de le faire la première fois, mais tout le temps... Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du story, on a du campaign versus practice, customize. Bon, ben les menus habituels, hein, oui, pour un jeu de baston actuel. On reparlera du mode campaign à un moment donné parce qu'il fait vraiment polémique au Japon. Ah, d'accord. Oui, ben on va en parler tout de suite parce que sinon je risque d'oublier, hein, me connaissant. Mais je lance un petit versus. Tu peux commencer à lancer le versus. D'accord. Et donc le mode campagne au Japon, en fait, pour pouvoir le faire de manière correcte, il va falloir acheter. Et si tu veux, le jeu était très très attendu au Japon. Mmh. Il a eu 40 sur 40, hein, dans le magazine Famitsu. Ah, c'est rare. Donc ouais, tu vois, c'est quand même... C'est assez peu de gens, ça, ouais. C'est quand même pas rien. Mmh. Et donc, en fait, les gens, là, ont commencé à revendre le jeu dès qu'ils l'ont eu pour boycotter ce mode campaign qui leur suce de la thune à tire-larigot, quoi. Ah oui, alors qu'est-ce qu'ils proposent à l'achat? Ben c'est des... alors j'ai pas trop trop bien compris parce que moi je me suis surtout intéressé au mode versus et au mode story. Mm-hmm. Mais en gros, pour pouvoir customiser ton personnage, il faut que ça va se faire à coup de DLC.
Bien entendu, il y a aussi des personnages que tu vas pouvoir acheter en DLC. Là, j'ai réussi à débloquer tous les persos. D'accord. Ah d'accord, c'est pour ça que... il y en a combien de base à peu près hein? Moi je dirais une trentaine, 35 de mémoire, mais je suis pas sûr. Mal. Faudrait recompter, c'est pas mal quand même. Quand t'as tout débloqué. D'accord, bien évidemment. T'as réussi. Bon, j'ai pris une femme pour adversaire. Ouais. Au niveau des décors, tu vas voir qu'il y en a pas tant que ça. Mm-hmm. Mais ils sont d'une beauté, enfin, moi je trouve ça fou. Allez, je vais faire mon Bertrand Cantat du jeu vidéo. Regarde l'habillage, franchement. Moyen, ça, c'est moyen, je sais. Ah, ta blague, ouais, mais l'habillage, quand même. Oui, non, l'habillage est génial. Ma blague était un peu... Bon, soit. Allez, c'est parti, et on va tester le bestiau. Ok, bon. Ouais, ça a de la gueule, ouais. Donc, tu vas voir que c'est un jeu de baston où il y a trois coups qui vont être utilisés. Le coup faible, le coup moyen, le coup fort. Ok. C'est les trois boutons du haut, hein. C'est-à-dire le triangle, le carré et le rond. Il y a un bouton pour esquiver de manière latérale avec la croix. Donc si tu mets la croix vers l'avant, il va esquiver vers l'avant, si tu mets la croix vers l'arrière. Un des petits soucis qu'il va y avoir avec ce jeu, moi je trouve, hein, c'est la vitesse. Fais avancer ton bonhomme. C'est lent. C'est très très lent. Pour pouvoir avancer de manière correcte, il faut dasher donc deux fois vers l'avant pour couvrir un petit peu. On va regarder un petit peu tout ce qui est jauge. Il y a la jauge basique tout en haut, qui correspond à ta vie. Mm-hmm. T'as une jauge en dessous, une petite verte, qui correspond en fait au bloc quand tu arrives à faire des techniques de parade de coups. Pas mal. Et puis carré et rond, c'est une chope basique. Hein. Ouais. Et puis tu as la barre qui est tout en bas là, alors qui s'appelle, j'ai du mal à retenir, c'est la Great Heart Attack. En gros, c'est pour tes super coups. Donc là, tu peux faire un super coup de niveau 1, et si tu arrives à dépasser le niveau 2, tu pourras faire un super coup de niveau 2. Oui, alors faut déjà. Les coups, c'est quoi? C'est des cartes à base. Voilà, c'est ça, c'est à base d'arc de cercle, de cartes de cercle. De combinaisons de boutons, mais en fait, tout ce qui est L1, R1, ce sont des raccourcis de combinaisons de boutons. Donc là, si tu veux faire le Great Heart Attack, il suffira d'appuyer sur L1 quand tu es près du personnage et tu vas déclencher une... Voilà. D'accord. Et là, on regarde. Sympa. Ah, sympa. Par contre, dis-moi, c'est mon perso qui recule comme ça ou c'est... Tu vois, quand je recule, il recule bizarrement, comme ça. Oui, ça doit être le graphisme de ton personnage. D'accord. Ça serait bien aussi que tu essayes le bouton R1. Mm-hmm. Je sais pas si tu connais un petit peu la particularité de Jojo, mais si tu vois là le personnage contre qui tu te bats, bah, il est pas tout seul, ils sont à deux. Hein. Donc en fait, t'as perdu. Première défaite. C'est pas grave. C'est pas grave, je découvre. Donc oui, on va parler un petit peu de la particularité de Jojo en termes de jeu de baston. C'est ce qui s'appelle les stands. Le stand, c'est, on va dire, la force de ton personnage, mais qui est incarné par le petit bonhomme qui est devant la nana, là, tu vois. Mm-hmm. Par contre, tous les personnages n'ont pas de stand. Et je pense que le tien, qui est Gio, je crois, n'a pas de stand, vu que c'est un des premiers personnages. D'accord. Ton bouton R1 servira à ce moment-là à autre chose. Au niveau du design des personnages, hein, ceux qui connaissent pas du tout l'univers de Jojo peuvent être un petit peu surpris, je pense. Hein. Oui, un peu. Il y a quelque chose qui est intéressant, l'auteur, Araki, celui qui a créé le manga de Jojo, en fait, il a fait des études de stylisme. D'accord. Voilà, et donc c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les tenues vestimentaires de ces personnages, tu sens qu'il y a une touche un petit peu décalée, un truc atypique. Hein. Une petite question, parce que j'étais en train de me faire une réflexion. De quand date à peu près le manga? Alors le manga, il a commencé en 1987, mais il n'est pas terminé, il est toujours en cours. On en est à 107 volumes au Japon pour le moment. Mm-hmm. Donc c'est vraiment un monument en fait. Mm-hmm. C'est quelque chose... Bah, en France, c'est un petit peu moins connu. On a eu les premiers volumes qui sont sortis chez J'ai lu il y a une paire d'années. Et puis ça s'est arrêté.
D'accord. En fait, ils sont allés jusqu'au quatrième arc. Ça marche en arc, en partie. J'expliquerai un petit peu par la suite ce que c'est que l'histoire de Jojo quand on entrera dans le story mode. Et puis, Tonka m'a repris depuis peu, je dirais depuis une année. Là, tu vois, t'avais un event. Regarde là, sur le sol, tu vois là la barre rouge. Oui. Voilà, si tu veux, dans chaque stage, tu vas avoir des événements qui vont se produire. Et si jamais tu te retrouves dans la zone rouge au mauvais moment, tu risques par exemple de te faire bousculer par un cheval. Il y a un mec qui va venir te taper. Il y a une bombe qui va te tomber dessus. D'accord. Je te posais la question un peu de. Alors là, tu vas arrêter. Non, tu as repris, je crois. Il va falloir. Ah là là, carnage, catastrophe. Catastrophe. Ouais. Appuie sur pause. Ouais. Et tu vas descendre tout en bas, je pense, pour quitter et appuyer sur le rond. Oui, oui, oui. Ok, ouais. Voilà. Oui, parce que. Alors, je dis peut-être une connerie, mais. Entre dans le mode story déjà. Ah non, story. Donc vas-y, dis ta connerie. J'ai l'habitude, hein. Certains. Salut. Certains persos masculins, on détecte un peu au personnage de Kutonoken. Alors oui, ça c'est... Un peu. Au tout début, c'est vrai que le style, tu te rends compte, depuis 1987, forcément, le mangaka, il a évolué. Bien sûr. Donc c'est vrai que sa patte graphique, elle a énormément changé. Et au début, c'est vrai qu'il y avait quelques similitudes avec... avec Kutonoken. Attention, appuie sur croix. Voilà, qu'on explique un petit peu. Donc là, t'as un story mode, et en fait, il est en 7 parties, enfin en 8 parties. Tu peux tourner vers la gauche, vers la droite. Et ça va reprendre chacune des parties du manga, tu vois. D'accord. Par exemple, on a vu Steel Ball Run. Moi, je te propose d'essayer la partie qui est la plus connue et qui est la plus, on va dire, appréciée des fans. C'est la partie numéro 3. Donc, à droite. Encore. Celle-là. D'accord. Avec Jotaro, la partie 3 qui s'appelle Stardust Crusader en France. Et vas-y, on va lancer. Donc là, je vais expliquer un petit peu comment que ça se passe au niveau de cette histoire là de Jojo, parce que c'est assez compliqué. Tu vois que l'habillage du mode story est assez pauvre. Il n'y a pas de cinématique, c'est juste du texte. Tu dois basculer avec la flèche droite. D'accord. Et simplement attendre que la partie soit lancée. Donc oui, c'est particulier Jojo comme histoire, parce qu'en fait, on va suivre non pas un personnage, mais toute une famille. Le premier personnage qu'on va avoir dans la première partie, la deuxième partie, on aura son fils ou son petit-fils, et ainsi de suite. D'accord. La toute base de Jojo, en fait, c'est... tout est à l'origine d'un masque, une sorte de masque vaudou, un masque d'Amérique du Sud, qui va transformer la personne qui va le porter en une sorte de vampire. Et Jojo, qui a des grands pouvoirs et qui va réussir à les utiliser de manière correcte, va se battre durant des générations contre cet ennemi-là. Un orgue, t'as vu sa manière de reculer? De marcher, oui, effectivement, ils ont tous des démarches particulières. Le mouvement dans Jojo est très spécial. Donc là, maintenant, tu vas appuyer sur le R1, si je dis pas de conneries. Et là, tu as ton stand qui est là. Et là, la façon de te battre, elle est totalement différente. Alors, il n'est pas question d'attaque à distance, semblerait-il. Ah non, tu pourras pas faire des Hadoken ou des choses comme ça. Ah, c'est du corps à corps. C'est du corps à corps plus ou moins loin. T'as des personnages qui arrivent à lancer 2 ou 3 bricoles, puis regarde avec ton Oda 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 Oda. Ouais. T'arrives quand même à toucher assez loin, mais c'est vrai que t'as pas de grosses boules de feu. Oula. Voilà, c'est le genre d'événement dont je te parlais tout à l'heure. Ok. Oui, alors c'est ce qui m'a... Comment... C'est ce qui m'a un peu dérangé lors du combat là dans le versus. Je m'attendais à des attaques lointaines. Là, Cora. Tiens, tu vois, il t'en fait une, mais voilà, c'est assez lent. C'est pas tous les personnages qui font ça. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il est, il a, on va dire, une double lecture. C'est un jeu de baston dont vont pouvoir profiter les joueurs occasionnels, hein, un petit peu comme moi. Parce que t'as un système de combo qui peut se faire très simplement. Je t'explique vite fait, pour faire le combo de base qui va te bouffer un point dans ta Great Art Attack, en fait il suffit juste de bourriner sur le carré. Et à un moment donné tu vas la sortir. Si jamais tu commences à enchaîner une dizaine de coups avec le carré,
ton personnage va faire sa super attaque. Mais il y a aussi une lecture pour, on va dire, les gamers un petit peu plus aguerris, où là c'est à base d'arc de cercle, t'as des super cancels de coups, des choses comme ça, tu sais, pour éviter, pour arrêter ton coup. Bref, il est quand même assez technique, mine de rien. T'en sors ? Un tout petit peu mieux là pour ce deuxième round, mais... Qu'est-ce que c'est ? Ah ben, si tu... Oui et non, si tu veux. C'est-à-dire qu'une fois que t'es entré dans la garde de l'adversaire, ça va être du bourrin, et là, t'as pas forcément besoin de bouger. Oui. N'oublie pas ta super attaque avec le... Ah oui, c'est vrai. Il faut que tu sois un peu plus près quand même. Voilà, regarde-moi ça. On s'en prend plein la gueule quand même. Visuellement, c'est... Visuellement, c'est... Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Alors, les jeux de Jojo, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, mais il n'y en a pas tant que ça. Et on a eu, je pense, notamment à un jeu, le premier jeu de Jojo, à ma connaissance, c'est un jeu de... C'est un RPG qui est sorti sur Super Famicom. Et au niveau des jeux de baston, il y a eu un gros jeu qui a beaucoup plu aux fans, qui a été fait par Capcom, et qui est sorti en arcade. Il y a eu... Il y a eu aussi... Il y a eu aussi une adaptation sur la Dreamcast et sur la PlayStation. Allez. Oh, ah non. Et si. T'aurais pu, hein, si jamais t'avais réussi à lui mettre un coup. Ouais, mais rien que pour la beauté de... Oui, j'ai fait exprès. fait exprès de perdre. Regardez, vous avez vu cette attaque de fou. Non, c'est magnifique. Et les autres fois, t'avais fait exprès de perdre aussi, là, les 4 autres rounds où t'as perdu, là. J'ai un peu du mal à le maîtriser, là, pour l'instant. Là, je vois ça, DDD. Tu joues en mode normal, là, d'accord. On n'a pas changé. Honnêtement, une fois que tu t'y seras fait, il est pas très très dur. D'accord. Moi qui suis pas un gros joueur de jeux de baston, bah, j'ai réussi à le terminer. Je dis pas qu'il est buggé, mais en tout cas en mode facile, une fois que tu as compris deux ou trois choses, vas-y, retry, tu peux recommencer. Oui, je vais réessayer. Bah, moi je t'avouerais que j'étais très jeu de baston un peu plus jeune. Mais jeux de baston à distance, Street Fighter, bah les Mortal Kombat bien sûr, où on envoie des jets, des boules de feu, tout ça. Par la suite, bon, mais naturellement, bah les Dragon Ball bien sûr. Là, le fait que ce soit Soul Calibur par exemple, voilà, tout ce qui est combat à l'épée, je suis pas fan. Voilà, bah c'est justement, je voulais en parler de Soul Calibur parce que au niveau du système d'esquive latérale. Et ouais. De la proximité des personnages, on se rapproche plus d'un jeu type Soul, quoi. Ouais. Oui. Et bon. Alors, là, une voiture va arriver. Ah oui, voilà, regarde la marque. Ne sois pas dessus au moment. Essaye d'amener ton père. Voilà, bien joué. Ok. Mais t'es un fourbe, toi, en fait. Écoute, je me suis fait avoir tout à l'heure. C'était à son tour, là. Allez, carré comme un godin. Continue. Ne lâche pas et tu verras, tu feras ton attaque de niveau 1. Allez, encore. Voilà, là. Ah, d'accord. Bon, là il a Keblo. Non, il se l'est pris quand même dans la tronche. Il a Keblo. Comment tu parles? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'on s'adresse à des Kikulol? Wesh. pour pouvoir faire. Tu peux graber aussi ton personnage. Tu peux faire un grab, tu peux faire une prise, une chope. Ah oui, j'ai. Avec le R2. Rond et triangle. Oui, tu peux aussi. Je te dis, tout ce qui est gâchette, c'est des raccourcis en fait. D'accord, ok. À la fin des rounds, quand tu commences à être... tu vois, ton adversaire commence à plus avoir beaucoup d'énergie. On va dire, il y a une sorte de compensation. C'est-à-dire qu'il va frapper plus fort. Ou alors... Okay. Tu vois, là, il est rouge, là. Ouais. Tu vois, il clignote rouge. Il va frapper plus fort ou il esquivera mieux. Des choses comme ça. Protège-toi. Oh. Et tu sais que le manga Jojo a inspiré mais énormément de choses, hein. On se rend pas forcément compte, mais si jamais un jour tu lis Jojo, et ensuite tu vas dire, ah bah tiens, ça ressemble à tel personnage de l'univers de Clamp. Ah bah tiens, ça ressemble à Hunter x Hunter. De Clamp ? Oui. Ah ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Tiens, ça ressemble à Bastard. Beaucoup d'auteurs ont emprunté des idées à Jojo, parce que au-delà d'être un shonen, c'est pas ce qu'on appelle un shonen de base, c'est-à-dire on va retrouver des, euh,
on va retrouver des constantes au genre shonen, mais il est, je vais pas dire beaucoup plus intelligent, mais si tu veux, il y a tout un aspect stratégique, moi qui me fait vachement penser aux échecs, au niveau de, pour pouvoir battre ton adversaire, il faut penser 1, 2, 3 coups en avance, par exemple. D'accord. Et ça, on le retrouve pas forcément dans ce qu'on appelle le shonen de base. Oui, d'accord. Sans vouloir critiquer ce genre, que j'apprécie aussi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais on peut... un genre peut évoluer, peut... Vas le battre, là. Allez. Oula. On joue avec les mêmes attaques, mais... Voilà, c'est bien. Who's the boss? Ouais, ça serait bien quand même qu'on clôture cette émission sur une victoire de... Ah oui, il reste un round. De Gueugré, hein. The final round. Allez, bon. tu mets tout ce que t'as. Tu vois, toi aussi, tu te la joues wesh wesh, hein. Ouais, désolé. Allez. Au niveau de tout ce qui est arc, on en a pas trop parlé, mais il y en a 8. Il y a 8 parties. Mm-hmm. La dernière partie du manga étant toujours en cours, au niveau du jeu, en fait, dans cette dernière partie, tu vas devoir te battre contre tous les personnages de la dynastie Jojo. D'accord. Alors, en fait, tu sais pourquoi ils s'appellent Jojo, tous ces personnages-là ? Parce qu'il est affreux ? Non. Et c'est ta deuxième vanne pourrie, hein ? Pardon. C'est ta deuxième vanne pourrie. Non, mais en fait, dans leur nom, tu vas toujours retrouver plusieurs fois la syllabe Jo. Tu vois, par exemple, le premier personnage s'appelait Jonathan Joestar. Celui que tu as là, c'est Kujo Jotaro. D'accord. Et toujours avec ces deux syllabes Jo, on arrive à former. Ben oui, tu vois, il suffisait juste de t'entraîner un petit peu et maintenant, tu commences à le maîtriser. Bon, l'émission va durer quelques heures, je vais finir le jeu devant vous. Comme ça, facilement. Non, je coupe. Eh bien voilà, c'était le test de Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle, sorti il y a très peu sur PlayStation 3. Alors, qu'ai-je pensé de ce jeu? Il a de la gueule, hein. Graphiquement, franchement, ça en jette vraiment pas mal. Ensuite, que dire, le nombre de personnages qui est assez important. Alors, je ne sais pas trop si ça couvre toute la série, mais franchement, il y a de quoi faire. Et puis un gameplay qui sait s'adapter, gameplay facile pour le petit kéké du dimanche ou pour le joueur un peu plus expérimenté. Vous avez vu qu'au bout de quelques matchs, bon, j'ai réussi à sortir des petits combats assez sympas. En revanche, une lourdeur de gameplay assez rédhibitoire quand même. On est souvent obligé de dasher. Ensuite, on n'en a pas parlé, mais des musiques qui ne reste pas dans les oreilles, hein, vraiment pas. Et puis surtout, et ça moi personnellement j'aime pas du tout, le recours au DLC pour acquérir de nouveaux personnages. Franchement, les DLC il y en a un peu marre, surtout pour tout et n'importe quoi. Écoutez, moi je mettrai la note de B. C'est plutôt pas mal, c'est gentil. Après, les fans de la série seront peut-être un peu plus cléments avec le jeu et s'y retrouveront peut-être un peu plus. Voilà, Loud, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter que t'as joué à la version collector du Jojo, ils ont fait une belle petite version collector, donc on va la présenter vite fait. Regardez-moi ce packaging qui est relativement sympa. Alors qu'est-ce qu'il contient? À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver un CD avec l'OST du jeu, qui est pas forcément top, mais c'est déjà pas mal. Et puis, montre un petit peu les belles petites choses que tu as à côté. On a une belle figurine. Une figurine de Jotaro avec son Star Platinum qui est super belle, qui est vraiment bien fichu. Et puis une sorte de petit cadre, alors j'ai trouvé ça très très joli, un cadre type doré avec les personnages de Golden Wind. Alors c'est super dur à voir, là c'est bon, t'as un bel angle, on arrive à la voir, ça brille, c'est beau, waouh, c'est magnifique. C'est parce que je suis à côté. Ouais, c'est ça. Je te le dis. On va aussi vous montrer bien évidemment le manga de Jojo. On va commencer par la vieille édition chez J'ai lu, qui est relativement difficile à trouver maintenant parce que ça n'a pas été réédité. Ça date, hein. C'était en 46 volumes, c'est le 46e, c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis ça couvrait les 4 premières parties. Et puis maintenant Tonkam réédite petit à petit ses 4 premières parties. Puis commence à faire les nouvelles parties. Et là, notamment, la dernière en date, c'est Steel Ball Run. Alors c'est dans un univers équestre. Avec pas mal de chevaux, des guns, style Far West, ça peut le faire. Ok, sympa.
Deux dernières petites choses à ajouter. Alors, vous retrouverez la bande animée. Alors, c'est quand? À Dijon Saiten, c'est très bientôt. Dijon Saiten, ça doit être le 12 et 13 octobre. C'est la semaine prochaine. Voilà. Alors, il y aura Loud qui sera présent. Mm-hmm. C'est moi. C'est lui, voilà. Ainsi que quelques membres de l'équipe. Et puis, retrouvez-nous à Japan Expo Belgium. Je prononce Belgium, ça doit être ça. Ça le fait. Début novembre. Tout début novembre, c'est ça. Et là, eh ben, vous aurez Gueugré qui sera là. Ouais, je serai là. Je serai là. Petit autographe, des petites bises et tout ça. N'hésitez pas à venir me voir, à venir nous voir pour partager de bons moments avec nous. Et puis, toute dernière chose. Donc Anime Games et la bande animée entrent en partenariat avec une boutique de vente de jeux en ligne qui s'appelle Trésor du Ciel, très joli nom, tiré d'une attaque de Shaka, chevalier de la Vierge. Boutique créée par un de nos membres. Donc vous pourrez y retrouver des jeux rétro, japonais, des jeux... européen, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, principalement du rétro, mais pas que. Pour l'instant, ça va être rétro. Ensuite, donc la boutique démarre. Donc, je vous invite à aller y faire un tour sur le site Trésor du Ciel. Mais n'hésitez pas à refaire un tour assez fréquemment. Il va y avoir de jolies petites choses. Les prix vont être assez bons par rapport à la concurrence. Et n'hésitez pas à suivre cette boutique parce que je pense qu'elle ira loin. Génial, génial. Eh bien, on lui souhaite bonne chance. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux encore plus fabuleux ou pas. Salut !